J'adore écouter ça, je sais pas pourquoi. Ah, c'est tellement bien. L'ingénieur Norton m'a payé Starkmark, elle m'a encore refusé de l'aide proposée par l'éclaireur du fer pour évacuer. Mais en plus, j'oublie mes intros. Bonjour à tous et bienvenue chez Xanatos. Voilà, c'est bon, l'intro est faite. Cassez pas les couilles. Ah, le pire. Ah, merde. Voilà, je préfère quand il y a une petite sensibilité parce que... C'est le jeu. Oui, c'est vrai, on était resté ici. J'avais complètement... Quand je vais baisser mon son. J'avais complètement oublié que je m'étais fait laver le cul par un robot. Il y a 2 semaines. Merde, je sais plus comment je joue. Ah bah... Le truc, c'est que j'oublie les touches, donc ça va pas le faire. Ouais, ouais... Oh oui. Non. Il est où le tram, là? J'ai pas de balles, là. C'est bon. Hop. Nickel. Nickel, nickel, nickel. Donc là, il y a un fucking robot qui va venir ici. Qui d'ailleurs... Ah, c'est vrai, je n'utilise jamais ça. Qui d'ailleurs me fait beaucoup penser au robot, parce que j'y ai pensé la dernière fois. Le robot qu'on va affronter là, il me fait beaucoup penser à celui que Robocop affronte dans les premiers films. Pour ceux qui connaissent pas. Pour ceux qui connaissent pas, dans les premiers films, Robocop, il affronte un robot, je sais plus c'est lequel. Je sais plus c'était quoi son nom. Et il lui ressemble de ouf. Est-ce que c'est une référence? Peut-être. Alors j'ai une idée, hein, vu que je sais à quoi m'attendre cette fois. Hop, petite mine. Hop, petite mine. Hop, petite mineken. Encore une, on sait jamais, hein. Mieux de prudent. Oh, encore plus, hein, on sait jamais. Je me prépare, je me prépare. Ok. Par contre, le lance-patate, ça, on va les... On va le garder. Qui d'ailleurs? Hop. Ah, c'est vrai qu'on peut pas courir. Je m'amuse à appuyer sur la touche de course, mais on peut pas courir. Arrête, c'est la touche de course et la touche pour ralentir le temps. Je vois rien. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu. Bah, 2 semaines. En 2 semaines, j'ai tout perdu. Je suis devenu un noob. Ouais. Faut dire, je le suis déjà de base, un noob. Mais quand même. Non mais en ce moment, non mais en quelques épisodes, c'est bon, hein. On me l'a déjà piqué mon... mon pénétrateur dans l'ancien épisode full emo. Je l'ai récupéré mon pénétrateur, mais j'ai perdu toutes les munitions. Ce qui m'énerve. Au plus haut. Donc, c'est parti. Désolé, j'ai pris un peu mon temps. C'était aussi pour me réadapter. On va aller chercher le petit filou. Elles sont où mes grenades là? Elles sont où mes grenades, putain de merde? C'est ça, c'est 5. Ouais, ouais, ouais. Il me fait trop penser. C'est bien ce que je disais. Il me fait beaucoup penser. Ouh! Ouh! Il me fait trop penser à. J'essaie de la tirer vers les mines. Hein. C'est mon objectif. Hein. Oh, 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 oh. Je l'ai eu. Ah, 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 ah. J'ai limité les balles. Ça, c'est beau, hein. Vous avez vu l'optimisation de l'explosif. Eh, faut faire ça, hein. Ça, c'est trop bien, ça. Mais après je savais que... Bon, je me suis déjà fait défoncer une fois, donc bon. Je savais à quoi m'attendre. Mais bon, on est dans Fear, hein. Faut pas oublier que c'est un jeu d'horreur. Ah, parce que là, tu vois, je me lance. Je savais ce que j'allais faire. Maintenant, je sais plus. Je sais plus. Peut-être que je vais rencontrer Alma derrière et elle va me faire coucou. Et je vais pas être bien. Ça, tu la vois en bas. Je lui mets une tatane. Je te jure, je descends, je lui mets une tarte. Je lui mets une tarte. Je fais tiche là. Arrête de me faire peur. Ah, moi, je suis quelqu'un de violent, moi. Je sais. Ok, c'est là. Oh, j'ai... Ok. Ah, merde, c'est vrai que c'est F. Je suis plus dans le jeu. Je suis plus dans le jeu du tout. Oh. J'ai l'impression de pas avoir joué depuis des années, en fait. Ah non, 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 non. Ah non, non, ça, c'est les bruits des hommes invisibles. Ok. De toute façon, j'ai mon fusil à pompon.
Je vous attends, bande de bâtards. Substance toxique détectée. Ouais. Ah oui, c'est le mangeur de chips qui avait déclenché les systèmes de sécurité BFS là. Oh, je la verrais bien derrière là, arriver Alma. Quand on est dans son ambiance, tu retires la lampe torche. Tu flippes. Faut dire ce qu'il y a, tu flippes. D'ailleurs, une lampe torche avec un drôle de façon de se recharger. Oh, 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 oh. Je suis désolé, fusil à pompe, mais ça. Oh oui. Oh, oh, oh. Alors, oui, je me rappelle de ça. Oui. Ça, ça c'est une très très bonne arme. ça c'est l'arme, l'arme la plus jouissive de toutes les armes qu'on peut rencontrer dans le monde du jeu vidéo FPS. Ah, je vous croyais que même le BFG 9000 à côté c'est de la merde. Pourtant c'est pas aussi puissant qu'un BFG 9000. Hein. Mais il a son petit truc. Vous inquiétez pas, ça a son petit délire. Oh, je suis une star, dis-moi. Bill Moody. Salut Janice, ici Bill Moody. Yann Hives m'a envoyé faire des analyses à l'usine de traitement des eaux de South River. Les résultats sont assez inquiétants pour nous venant de zones résidentielles. Comme tout ça vient d'Auburn, ça pourrait peut-être expliquer certaines choses. Je t'enverrai une copie de mon rapport pour que tu puisses avertir qui de droit. Tout vient d'Auburn. Hein. Tout vient d'Auburn. Encore ? Ouais, c'est Yann. Écoute, je voulais te prévenir que Bill Moody allait... Ah oui, c'est un sniper en plus. Je pense que le mieux serait de faire comme si ça t'intéressait. À mon avis, il veut croire qu'un responsable s'intéresse à cette affaire et s'en occupe. J'ai fait une erreur en l'envoyant se faire voir et... Je pense qu'il va se tourner vers toi. Enfin bon, tiens-moi au courant. Pas de soucis, mais je crois qu'elle est déjà morte. Oh! Par contre, j'ai oublié ça, c'était aussi un sniper. Non, mais vraiment, cette arme, je vous promets, c'est un plaisir. En voici plus sur Origin. Le projet a été interrompu à cause de problèmes de synchronisme. On n'en sait pas plus, mais j'imagine qu'il y a eu des pertes. D'accord. Cette arme. J'ai trop envie déjà de l'utiliser. Mais je peux pas l'utiliser seul. Il faut un cobaye. Ah, je vous promets, vous êtes pas prêts. Cette arme, c'est... Je m'en souviendrai toute ma vie de cette arme. Quand je l'ai vu, quand j'étais gamin. Je m'en doutais que c'était dans ce jeu-là qu'on l'avait, cette arme-là. Je m'en doutais. C'est trop calme. Je vous promets, c'est trop calme, là. J'aime pas du tout. Y'a pas une autre arme. Putain, bon, bah, je vais devoir le prendre sans changer d'arme, c'est dommage. C'est quoi? Oh! Un autre! Non, faut tuer le maximum. You can't test me! I'm too fast for you! Merde! Bon, elle a fait le taf. Restons positifs, elle a fait le taf. On va passer par là. Hein. Fais un petit F5 quand même là. Petite sauvegarde rapide, on sait jamais. Non. Non. Ça devait être des zones d'interrogation. Ouh! Ouh! Regardez ça. Ah, t'as peur, hein, tu flippes, hein. C'est trop bien cette arme. Je vous promets, cette arme c'est juste jouissif. Oh non, pas encore. J'en ai marre quand ça lag comme ça, ça rame. Mais c'est à cause de moi, c'est parce que je suis une résolution 4K. C'est normal, le jeu a été pas optimisé à l'époque. Ouh.
Ah, je vous l'ai dit. Un délice. Un délice, cette arme. Ah, mais c'était là, elle a tiré, ok. Ok, c'est d'ici. C'est beau quand même. Ah, c'est beau, ouais, de voir des squelettes pareil. Je vous dis, c'est... Oh, c'est un plaisir, quoi. Oh, c'était vraiment un vrai plaisir. Ok. Par contre, on est beaucoup dans de l'action depuis quelques épisodes, je vais dire. Et coupons la lumière. Oh mon dieu, bordel, qu'est-ce que c'est bon! Ah, je sais pas si vous pouvez ressentir, mais à quel point ça, c'est satisfaisant en fait. Ah, c'est du sniper! Ah, ça, c'est du sniper de qualité! Allez, je change. Vous savez, j'ai même pas utilisé le ralenti. Hein. J'ai tellement pas besoin du ralenti, quoi. Avec cette arme. Ah, c'est génial comment ça te retient toute la chair d'un être. Incroyable, quoi. J'aime pas trop le sang. Il y avait du sang avant que j'ouvre la porte, attends. Bon, je suis à fond, mais bon, on s'en fout. Hein. Optimisation. Alors, là-dedans, il doit y avoir Alma. Parce qu'on sait tous qu'elle a la serre à Nadia, hein. Elle est en pleine puberté, hein, sûrement. Oh, ok. Le signal de Paxton Fetal a encore disparu. L'officier technique d'Arbacam pense que le transmetteur a dû être endommagé pendant le combat. Il est maintenant clair que l'ingénieur d'Arbacam, Norton Mapis, je sais pas si ça se dit Map ou Mapis, mais bon, j'aime bien Mapis, œuvre activement pour saboter la mission du FIR. La mission principale consiste à localiser Fetal. Ah, on est de nouveau en train de localiser Fetal. L'objectif secondaire est de placer Norton Mapis en détention pour pouvoir l'interroger. Ok, là, si on n'est pas dans une zone horreur avec toutes les zones d'action qu'on a eu avant, je ne comprends pas. Yes, une nouvelle arme. Ah, ça aurait été trop bien que je la prenne, j'étais sûr que je pouvais pas la prendre. Une arme Terminator. Oh, mais ça a tellement la forme d'une arme Terminator d'un T-800. Mais tellement. Regardez les armes de Terminator, c'est pareil. Je déconne pas. Hein. J'ai joué beaucoup à Terminator Resistance, que j'ai trouvé très bien. Un très bon petit jeu, si vous êtes fan de la licence, vous allez trouver votre compte. Alors ça, il y a un truc intéressant là. Ce n'était pas ma faute. Ni la mienne, alors tu mets pas en tes emmerdes, d'accord? Je vais être tranquille. FIR 2 aussi, il marchait bien niveau horreur aussi. C'est FIR 3 qui marchait pas du tout. FIR 3, c'était nul à chier en horreur. FIR 2, ça allait encore. Oh, la pauvre. Pourrais-tu m'envoyer les copies des travaux que ton équipe a réalisés sur les anomalies d'origine? Arlan est censé me faire un rapport quotidien, mais il semble déjà bien occupé à régler ses comptes. J'espère qu'il n'embête pas trop de monde avec ses histoires. J'assume l'entière responsabilité de ce qui est arrivé à l'équipe, mais ça ne les fera pas revenir. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas le moment de chercher à qui faire porter le chapeau. Nous devons travailler ensemble comme une équipe pour sortir de cette crise. Merci de ton soutien. Okay. Ok. Arlan Wade, encore lui. Toujours présent. Bah, ça va, vous voyez pas. Je pensais que vous voyez des trucs que moi je voyais sur mon écran. Bah, ça va, vous les voyez pas. Ça va, Fetal? Coucou. Allez, je reviens. Il y avait d'autres zones, d'accord? On va voir s'il m'attend encore. J'ai pas vu, il y avait un autre passage. Hein, on va aller voir l'autre passage. Qui était pas là en fait. J'ai juste pété un câble parce que je pensais que c'était ouvert. Oubliez ce que j'ai vu, oubliez ce que j'ai fait. Avancez 10 secondes dans la vidéo. Vous avez juste à tapoter sur votre écran. Bonjour! Témoin Jéhovah! Encore vous? Ouais, encore toi aussi? Ils ont voulu enterrer leur péché. Mais ils ont planté les graines fatales de leur destin. À ce que je vois, vous aimez beaucoup les pâtes au ketchup. Hein.
Je l'ai vu dans mes rêves. La terre ravagée par les flammes. Des corps dans les rues. Des villes réduites en cendres. Des représailles. Ah bon? L'apocalypse, quoi? Ok. Ah, par contre, faut lui dire qu'il arrête de manger des pâtes au ketchup, hein, parce que là, il y en a beaucoup, hein. J'aurais mis Alma là, je sais pas pourquoi. Il y a des moments, tu vois, je te la mettrais bien derrière une vitre souvent, quoi. Mais quand Alma elle est dans le coin, de toute façon, mon HUD pète un câble. ATH, HUD, de toute façon. Je suis pas serein, hein. je vous promets, je suis pas serein en fait. J'avance, mais sans. C'est pour ça que je regarde tous les endroits en fait. Non, 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 non. Non. Bah, moi aussi, je savais pas, mais. Ah, j'ai les frissons. Oh putain, j'ai les poils qui s'hérissent. Compris. Les morts restent morts. Bah dis ça aux zombies. Alors, j'aime pas du tout. Par là! Ah, ils me voient! Ouais, je suis dans la lumière! Oh, les pieux dans la gueule, ça fait. Il va me chier. Ouh, et mon armure, il a sauté! Mais c'était tellement beau! Par contre, il est résistant, parce que voilà ce qui s'est pris en pénétrateur dans la tronche. Bon, j'ai perdu toute mon armure avec cette connerie là. Ça fait chier, à chaque fois je perds toute mon armure à cause d'une grenade, hein, généralement. Punaise! Vous n'êtes pas censé être avec moi? Ne vous inquiétez pas, je suis pas un réplicant, hein. Oh le bâtard. Ouais. Quelle merde cet endroit, c'est un déconné. Il y a une porte, non? Il y a pas de porte. Ah mais il était là, Fettel, il était là, il est en train de me parler de côté, ok. Ah là, il y a du lore, là. Ok. Voilà qui est intéressant. Quand ils ont mis fin au projet Origine, ils ont simplement fermé les portes et jeté la clé. Ils ne rentrent pas vraiment dans les détails, mais j'imagine que l'endroit était devenu trop dangereux. Je me demande si ce n'était pas des fuites de produits chimiques ou quelque chose dans le genre. Moi, je crois que c'est plutôt des produits psychiques. Kerrigan, elle a qu'à bien se tenir à côté d'Alma, je te le dis, moi. Baissez la tête. Bon, on va les laisser se démerder. Allez, on regarde le combat. On croise les bois et on regarde le combat. Salut, ça va? Ça va? Vas-y, fais-toi sur l'autre côté, hein. Ah, moi, je regarde. Moi, je regarde. Je prends mon aise. Petite chips, y'a rien. Regarde, petit Béline, on mange. Ouais, salut mec! Allez, hein! Oh, le petit feuilleton là, du dimanche soir. Parfait. Parfait. Non mais. Vous savez qu'il y avait un gars qui titube derrière? Vous avez vu le gars qui titube derrière? Ah, ils sont pas joueurs, putain! Je vais être en train de parier, j'allais mettre des paris, putain! Vous faites chier, bon, j'arrive. Bordel. Putain, c'est cool, j'avais faim, moi. Éliminez-le! C'est pas moi, l'ennemi, là! C'est pas moi, bande de hirches! Au revoir. On a un blessé! Oh, le bâtard! Tiens, ça prend drôle, là. Non! Fais chier! Aïe. Ouais. Je crois que j'allais pas l'avoir. Ouais, bien sûr. Ah oui, t'as des balles, toi. Tu m'intéresses, finalement. Bouffe, magreux. Une, deux, dans le cululu. Bouffe ça. J'en envie.
Qu'est-ce que je suis, toi, ça fait ça. Allez, hop là, des nouvelles balles. Parfait. Tac. Toujours plus. J'aime les munitions. T'as rien à laisser là-dedans? Rien du tout. Y a pas de l'armure. Vous avez pas de l'armure, bande de petits coquins? Vous avez pas rien. Vous avez rien laissé là derrière vous? Ah si, là. Hop, toujours ça de prix. Merde, j'ai l'impression que Fettel en a appelé cette Alice Wade dont Bishop a parlé. On dirait qu'il se dirige vers le bâtiment de la direction. Il faut la rejoindre avant lui. Elle pourra nous aider à comprendre ce que Fettel a en tête. Je suis d'accord avec toi, mais... j'en ai marre que les deux camps me s'affrontent là, enfin me tapent dessus, alors qu'ils devraient s'affronter. Oh, alors toi mon petit gars. Alors je tisse pas le lance-roquette, je sais, mais je préfère le garder, on sait jamais. S'il y a encore un autre gros monstre, enfin le gros truc en armure là, je préfère garder du lance-roquette. J'ai pas beaucoup de munitions de lance-roquette, donc je préfère le garder. Hein. Par contre, je peux utiliser ça. Ça, c'est que pour les trucs organiques, je pense. Ouh ! Oh là là, c'est tellement jouissif ! Ouh ! Avouez, bordel, cette arme, elle est juste... Mmh ! Rac le bruit, quoi ! Le bruit de l'arme, quoi ! Vous avez un nouveau message. Merde. Ah, moi. Rappelle-moi, c'est, ouais. C'est le numéro extérieur. Fin des messages. D'accord. C'était le numéro de l'appel extérieur. Voilà, faut le savoir. Ne vous inquiétez pas, je l'ai vu. Hein. Bonjour. Bonjour. Les bouts de barbac. Ah, les bouts de barbac. Putain, qu'est-ce que je kiffe. Hop. Ah, technique des munitions, hein. On va rattraper toutes les munitions que j'ai perdues avec le pénétrateur lors des derniers épisodes que j'ai fait, quoi. Hop, voilà. Allez, bientôt, je suis à full. Oh, et cette arme, bordel, cette arme. Oh, un plaisir. F5, parce que là... Merde. Oh, quoi? Ouh. T'es où? Oh merde! Bon, c'était le mauvais! Non. Ouais, ça fait rien du tout cette arme contre les trucs comme ça, ok. Bon, ça c'est un peu too much. Putain, j'ai perdu des munitions de. J'ai perdu deux munitions, je crois, pour les le truc à squelette là, juste pour à cause de lui là. Merde, non. Ah, il me reste deux munitions, c'est deux cadavres en squelette, ça c'est... Je peux pas... Je peux pas la retirer, cette arme. Salut, toi. Salut, toi. Bon, j'ai plus de munitions. C'est le temps de changer d'arme, je le conçois. Hop. Hop là. C'est bien, là, le sniper ici, ça va être pas mal, je pense. Yes. Un squelette. Ah. Ah. Salut. Ok. Oh la vache, la vache, la vache, la vache, la vache, la vache, la vache. Oh le bâtard, il esquive, il esquive. Il est intelligent. Je l'ai eu. Yes. Allez, j'ai plus que 3 balles, je les quitte pour un gugus de base. Pas de soucis. Qui veut bouffer de la roquette? C'est gratuit, je vous promets que c'est gratuit. Boum boum boum. Boum boum boum. Let's go. Eh bien. Oh le bâtard. Alors je sais pas si ça ça one shot par contre. Je sais pas du tout si ça peut one-shotter. Je peux one-shot les ennemis, mais je sais pas si c'est.
je dis pas respect. Rien à dire là. Rien à dire. Merde. Non, bah non. Ah. Par contre. Oh là, vous me saucez là. Vous me saucez. Ah, toujours plus de munitions. Attends. Oh là là, t'as combien de balles là? Oh. Ah là, c'est jouissif là. Ok, est-ce qu'il y a des trucs ici? Ah, il y a des medikits. Un soin, des medikits. Oh, je suis fou là. Là, je suis bien. Ah, là, je suis bien. Oh là là. Cette arme! 40 kills, je peux faire maintenant. Grâce à la technique des munitions. Un plaisir! Un plaisir! Oh, toi, putain. Oh, t'es. Oh! Ah, je peux pas te tester, c'est trop bien. Eh bah tire sur les lumières, j'en ai rien à foutre moi. D'où tu me vois là? Ah le bâtard, il m'a tiré au même moment. Je suis désolé mais cette arme, elle est juste trop bien. Là je croyais que j'avais pas l'arme, en fait je vous jure. Waouh! Le pied quand tu tires avec quoi! Et hop, je suis de nouveau full. Hop là, j'ai remis la lumière, ok. Salut les filles! C'est devenu très calme. Ça me rassure pas des masses tout ça. Monsieur, j'ai encore perdu mon signal. Ouais. Ouais. Il faut que j'aille où? Ah parfait. Situation. Paxton Fettel est entré dans le bâtiment de la direction. Sa cible est probablement Alan Wade ou sa fille Alice. Le site semble être très bien protégé par les forces réplica. L'agent du FIR doit localiser Alan et Alice Wade et les évacuer pour débriefing. La plus grande prudence et de rigueur lors de l'entrée dans le bâtiment. Vous avez vu, Alan Wade me disait bien quelque chose. Hein. Là, ça, je me demande même si c'est pas le petit vieux qu'on voyait là, juste en image. Eh ben, vous savez quoi? On verra la suite pour la prochaine fois. En vous souhaitant une agréable journée, une bonne soirée, bisous, Texana sur Fear. Et tchou.